Aujourd'hui, nous parlerons de remplir. Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Et il a dit, remplissez la terre. Et en comprenant donc que l'homme était appelé à faire en sorte qu'il y ait des hommes partout sur la terre. Mais j'aimerais poser la question, remplir la terre de quoi? De quoi? D'hommes, c'est la première option qui vient. Mais était-il vraiment de l'homme qu'il s'agissait? Oui, il s'agissait de remplir la terre d'hommes. Mais aussi de pouvoir multiplier ce modèle-là qu'il y avait de Jardin d'Éden partout. Remplir la terre du modèle des dieux. Voilà ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Remplissez la terre de joie. Remplissez la terre d'amour. Remplissez la terre de joie. Remplissez la terre de la présence, de l'onction. Remplissez les réseaux sociaux de Jésus. Remplissez l'univers de Jésus. Remplissez la terre. Êtes-vous prêt aujourd'hui à vous engager à remplir la terre de la paix, remplir la terre de la joie des dieux? Remplissez la terre. De quoi remplissez-vous la terre? Certains d'entre nous, quand ils arrivent à un lieu, ils le remplissent de malheur, ou bien ils le remplissent de critiques, ou bien ils le remplissent de haine. Non, remplissez la terre. C'est vous qui pouvez décider de quoi vous allez remplir la terre. Votre passage sur la terre va remplir la terre de quoi? Va remplir l'espace que vous occupez de quoi? Alors s'il vous plaît, remplissez la terre d'amour. Remplissez la terre de joie. Remplissez la terre de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous revoyons pour un autre moment.